domaine de Madame Elisabeth. Je suis conférencière de l'Office de tourisme et je vous dis tout de suite que l'on ne sort pas indemne de cette maison. Alors, vous allez rencontrer Madame Elisabeth qui a une leçon de harpe prévue cet après-midi. Dans le cadre des Journées du patrimoine, les 17 et 18 septembre, le Conseil départemental des Yvelines proposait des visites du domaine de Madame Elisabeth à Versailles, théâtralisées par l'association Rire 78. Le domaine qu'ils avaient constitué ici a été racheté par le roi Louis XVI, avec tout le mobilier qu'il contenait. Alors le roi Louis XVI avait son idée, il en a fait cadeau à sa petite sœur, donc Madame Elisabeth, la petite sœur de Louis XVI, pour ses 19 ans. Madame est tellement attachée à ses amis qu'elle s'est privée de 5 ans d'étrennes. Afin que Rage puisse jouir d'une dot convenable et d'un mariage décent. Et ainsi pouvoir aller. Un mariage? Mais oui! Ils sont là! La cour de Joseph II d'Autriche. L'empereur Joseph ne voulait-il pas demander la main de madame? Bon, enfin, tu sais très bien que ce mariage n'aura pas lieu. Et pourquoi cela? Eh bien. L'empereur Joseph est venu. Il a vu. Le ruste. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec cette histoire d'embonpoint? Madame n'est tout de même pas si. Oh, mais Marguerite, je t'en prie. S'il te plaît. Ces gens pourraient nous entendre, témoigner contre nous. Allons vite remettre en ordre la chambre de madame avant que tous ne demandent pas la voir. Qu'est-ce que tu caches derrière ton dos? Une lettre qui ne doit pas tomber entre les mains de madame. De Monsieur Merci Argenteau, ambassadeur d'Autriche à la cour de Versailles. À Joseph II, empereur d'Autriche. Le 11 janvier 1781. Madame Elisabeth a grandi, épris de l'embonpoint, qui, sans être démesuré, pourrait faire craindre qu'il n'augmentât trop par la suite. En tout cas, lui, il ne craint pas d'être lourd. Une fantaisie de cette princesse peut y avoir donné lieu. Elle aime passionnément l'exercice du cheval. On lui a représenté qu'il en résulterait l'inconvénient d'engraisser. Mais cette remarque ne la touche pas. Elle n'a ni souci ni attention à sa figure qui incline à être bien. Marguerite ? Figure qui incline est signe de bonne mine, mais si ma figure j'incline, c'est pour que bienséance domine. Et qu'il est bienséance dit. Révérence! J'ai rien compris, mais c'est très beau. Mesdames et messieurs, en place pour la révérence. Vous allez rencontrer Madame Elisabeth. La moindre des choses serait de revoir ses bases. Bien. Alors, si je suis un homme, j'avance délicatement, un pied devant l'autre. Main derrière le dos. J'incline buste et figure à hauteur du rang de celui qui me fait face. Autant vous dire qu'une révérence au roi me fait plonger dans les plis du tapis. Bien. Le poignet en avant. Parfait, vous êtes parfaite. Le genou derrière l'autre. Et je suis en train de dire. Madame Elisabeth est prête à vous recevoir. Madame Elisabeth a été très courageuse. Et sa loyauté résonnera longtemps entre ses murs. Le 6 octobre 1789, elle avait 25 ans, la famille royale est ramenée de force par le peuple à Paris. Madame Elisabeth choisit de partager le sort de son frère, le roi, plutôt que de se retirer en Italie avec ses tantes. Le 21 juin 1791, royale, toujours, elle choisit de s'enfuir avec le roi Louis et Marie-Antoinette. Et s'ils sont bien arrivés, non.
leur route s'arrêtera à Varennes. Rattrapée par le peuple, cette fuite accréditera plus encore la thèse de la trahison du roi envers. Et Madame Élisabeth, qui ne se cache pas d'idées politiques bien ancrées, et sans concession envers les partisans d'une monarchie constitutionnelle, se fera à son tour enfermée à la prison du Temple. Mais écoutez bien ça, comme elle ne manque pas d'audace. Lorsque le peuple se pressait contre les portes des Tuileries et réclamait la tête de Marie-Antoinette, je vois Madame qui court auprès de son frère et le supplie de la laisser se faire passer pour la reine, afin que celle-ci ait le temps de s'enfuir. Jusqu'au bout, elle fut déterminée, fidèle et courageuse. Après un procès sommaire, Madame fut exécutée publiquement. Elle venait d'avoir 30 ans. Que m'arrivera-t-il aujourd'hui, mon Dieu ? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne m'arrivera rien que vous n'ayez déjà prévu, réglé et ordonné de toute éternité. Cela me suffit, mon Dieu. Cela me suffit. J'adore tous vos desseins éternels et impénétrables et je m'y soumets de tout mon cœur pour l'amour de vous. Je veux tout. J'accepte tout. Je vous fais un sacrifice de tout.